peu de temps après sa majorité, célébrée dans la grande salle du palais bruxellois du Carltonberg, en présence des États généraux des Pays-Bas en 1515, puis son accession au trône espagnol et son départ pour la Castille en 1517, le jeune duc de Bourgogne, Charles de Habsbourg, fils aîné de Philippe le Beau et Jeanne de Castille, confie la gouvernance des Pays-Bas à Marguerite d'Autriche, qui avait déjà assumé cette fonction durant l'enfance de son neveu. Cette seconde régence, qui s'achève à la mort de Marguerite d'Autriche et à son remplacement par Marie de Hongrie, a joué un rôle essentiel dans l'histoire politique des Pays-Bas. Elle joue un rôle crucial, en effet, dans l'élection de son neveu, qui devient empereur sous le nom de Charles Quint en 1519. Elle consolide l'intégrité territoriale des Pays-Bas en faisant l'acquisition du Tournaisie en 1521, des seigneuries de Frise en 1523, d'Utrecht en 1528, d'Overheysel en 1528. Et en obtenant le traité de Madrid en 1526 et de Cambrai en 1529, ce qui a pour conséquence de rompre les derniers liens avec la France. Et elle fait face à la propagation des idées réformées, particulièrement populaires, dans les grandes villes néerlandaises où sont installés les voyageurs issus du Saint-Empire ainsi que les commerçants travaillant au sein de la Ligue hanséatique. Ces villes sont principalement Valenciennes, Tournai, Gand, Bruges, Bruxelles. Louvain, Ypres et surtout Anvers. Marguerite d'Autriche tente de faire preuve d'une certaine retenue face à l'émergence de cette communauté calviniste, mais doit se soumettre à la politique volontariste de l'empereur Charles Quint, qui fait promulguer l'édit de Worms en 1521, qui met au banc les idées de Luther et accepte euh, la création d'un poste d'inquisiteur général des Pays-Bas, conduisant aux premières exécutions des réformés récalcitrants. À Anvers ou à La Haye. La seconde régence de Marguerite d'Autriche occupe également une place centrale dans l'histoire artistique des Pays-Bas. Grâce à la fortune qu'elle a accumulée à travers ses fiançailles avec le dauphin de France et ses deux mariages, avec Jean d'Aragon puis Philibert II de Savoie, Marguerite d'Autriche dispose de moyens financiers considérables qui lui permettent de mener une vie de cour fastueuse dans son palais de Malines et d'y soutenir savants, musiciens, et artistes. Cette cour a souvent été présentée comme le berceau de la pré-Renaissance, voire de la Renaissance néerlandaise. Or, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction de ce cours, ces notions ont été sévèrement critiquées, y compris pour la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Il n'en reste pas moins que durant cette période, le champ lexical de la Renaissance devient omniprésent dans les discours européens et en particulier dans l'Europe du Nord et les anciens Pays-Bas. Un an après avoir fait l'éloge de la joyeuse entrée brugeoise de Charles de Bourgogne en 1515, Rémi Dupuis, qui est indiciaire et historiographe de l'empereur, décrit ainsi le char triomphal conçu par Jan Rossart à l'occasion des funérailles bruxelloises de Ferdinand II d'Aragon en célébrant, je cite, ses antiquités poétiques et ses antiques inventions renouvelées. En 1520, un contrat concernant un jubé commandé par le chapitre de la cathédrale d'Utrecht, demande aux artistes engagés, je cite, d'éviter tout ce qui serait moderne, afin d'améliorer et amender son œuvre en se fondant totalement sur l'antique, mais aussi d'éviter tout ce qui pourrait paraître ancien. En 1523, Albrecht Dürer finit par procéder à un bilan personnel en constatant que les arts européens connaissent, je cite, aujourd'hui une nouvelle croissance. Mais de quel ordre sont ce renouvellement ou cette nouvelle croissance constatée dans les arts des Pays-Bas du premier tiers du XVIe siècle S'agit-il, comme le laisse supposer Dupuis, de renouveler l'art néerlandais en puisant dans les modèles de l'art antique Ou s'agit-il plutôt d'encourager les artistes à s'opposer à la manière moderne en participant à la promotion de la manière antique Et dans ce cas, qu'entend-on par antique et par moderne C'est à ces questions, et en premier lieu à la manière dont les artistes néerlandais du début du XVIe siècle définissent l'antique, que sera consacré ce cours. Quand il célèbre les antiquités poétiques et les antiques inventions renouvelées du char conçu par Jan Rossart, Rémi Dupuis évoque le vocabulaire décoratif auquel le peintre a fait appel en s'inspirant des motifs propres à l'architecture gréco-romaine mais son admiration est aussi liée au fait que ces antiquités ont été renouvelées par un artiste dont la culture visuelle a été formée par les grands maîtres italiens et allemands du XVe siècle. De la même manière, les conseils qu'il prodigue aux sculpteurs utrertois le conduisent à recommander d'éviter tout ce qui est moderne, mais aussi tout ce qui pourrait paraître ancien. Cette antique S'oppose donc aussi bien au moderne, c'est-à-dire à la manière des maîtres néerlandais du XVe siècle et à leurs imitateurs jusqu'au début du XVIe siècle, qu'à l'Antiquité définie en son sens historique, comme ce qui a été fait du temps des anciens Grecs et Romains, depuis Alexandre le Grand jusqu'à les invasions barbares. Puisque cette Antiquité doit être réinterprétée et repensée, renouvelée, le terme utilisé, par des artistes précisément modernes. Cet art dit antique est donc en réalité un art à l'antique, comparable dans la liberté qu'il prend avec les modèles anciens à l'architecture à l'antique ayant prévalu dans la Florence du XVe siècle et qui perd de son caractère apparemment paradoxal voire contradictoire quand il s'agit de l'appliquer à la manière dont les peintres néerlandais du début du XVIe siècle tentent d'approcher le vocabulaire des grotesques et du langage des ordres architecturaux ou encore la représentation du corps. Les premiers artistes néerlandais qui se sont intéressés aux grotesques, par exemple, l'ont fait sans jamais avoir eu accès, je l'ai dit, aux fresques romaines ayant servi de modèle à leurs confrères italiens. Ce constat demeure le même pour la plupart des peintres actifs dans les Pays-Bas durant le premier tiers du XVIe siècle. Considéré comme l'un des premiers graveurs néerlandais spécialisés dans les estampes ornementales, le monogrammiste IG n'a eu nul besoin de se rendre en Italie. Pour produire ces fascinants ornements de grotesques, en grande partie dérivés de son étude de ses confrères florentins. Rien ne permet de penser que ce graveur a quitté les Pays-Bas pour le sud de l'Europe, contrairement à Jan Rossart, dont le séjour romain est documenté. Pourtant, Rossart ne semble pas avoir vu les fresques de la Domus Aurea, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire. Et que quelques années plus tard, des artistes néerlandais seront, sombreux, seront nombreux à s'y rendre et à laisser leurs signatures sur les murs. Lorsqu'il fait référence à ce langage décoratif éminemment antique et moderne, comme c'est le cas de ce Saint-Luc qu'il peint entre 1520 et 1522, ce n'est donc pas à un art proprement antique qui s'intéresse, mais à un art à l'antique auquel il a pu notamment avoir accès à travers les décors achevés une trentaine d'années avant son séjour romain par Filippino Lippi dans la chapelle Carafa. Dans l'église Santa Maria, Sopra Minerva. À la suite de Rossart, de nombreux peintres, sculpteurs ou maîtres verriers néerlandais tenteront à leur tour d'intégrer les éléments de ce vocabulaire formel dans leurs propres œuvres. Actif entre 1510 et 1530, le pseudo-Blesse, un artiste anversois dont le nom de convention lui vient d'une adoration des rois mages portant une signature apocryphe d'Héry, maître de Blesse, a joué un rôle essentiel. Dans la diffusion de compositions associant de façon singulière à des structures gothiques des systèmes décoratifs largement inspirés du langage des ordres antiques colonnes, frises, reliefs, chapiteaux, caissons, arcades, mais aussi grotesques, arabesques et rinceaux. Ces solutions syncrétiques, fort différentes de la manière dont les artistes italiens interprètent pour leur part les formes et les codes de l'architecture antique, se sont rapidement et largement diffusés dans les Pays-Bas. À Anvers et à Bruxelles, des artistes comme Jan de Beer, Nicolas Rambouts, Dirk Velert doivent une grande partie de leur réputation extraordinaire à leur capacité à marier les formes issues de, de l'étude des maîtres néerlandais du XVe siècle et les motifs librement empruntés au répertoire antique des graveurs germaniques ou italiens. Ce sens de la synthèse est également à l'origine du succès des œuvres de Lancelot Blondel ou de Jean Monne, quoique le peintre brugeois et le sculpteur bruxellois ne placent pas le curseur au même endroit. Aussi apprécié pour ses tableaux denses et minutieux que pour ses inventions ingénieuses, le premier, Blondel, intègre de nombreuses références aux formes et aux décors de l'architecture antique dans ses œuvres arcs de triomphe, colonnettes, pilastres. Poutis, médaillons entourés de couronnes de lauriers et de festons, mais demeurent fidèles à la profusion décorative des sculpteurs sur bois néerlandais. Le second, Jean Mon, à l'inverse, fait valoir des solutions compositionnelles et décoratives beaucoup plus proches de celles qui sont alors pratiquées à Rome et qu'il connaissait probablement à travers Bartolomé Ordóñez, avec lequel il avait travaillé à Barcelone et qui s'est lui-même formé auprès de Domenico Fancelli. Un sculpteur toscan installé en Espagne avec une équipe d'artistes originaires de Florence et de Mantoue. Même lorsqu'il s'agit de représenter la figure humaine en lui conférant de justes proportions et des passions convenables, aucun peintre néerlandais actif durant le premier tiers du XVIe siècle ne peut se targuer d'être strictement fidèle aux modèles antiques ou à leurs réinterprétations italiennes. Jan Hossart, s'il est alors considéré comme le meilleur spécialiste du domaine, n'échappe pas à ce constat. Dans le cas Abel qu'il grave vers 1525 par exemple, le peintre fait allusion à deux célèbres statues antiques, le Laocoon et le torse du Belvédère, et ce n'est directement avec ces deux œuvres. ce n'est pas directement avec ces deux œuvres que dialogue Rossart, mais avec une estampe d'Albrecht Dürer euh, qui avait été réalisée quelques années plus tôt que je vous montre à gauche. Les mêmes remarques peuvent être faites au sujet de Conrad Meit qui, aux côtés de Jan Hossart, dans l'entourage de Philippe de Bourgogne, a développé un intérêt particulier pour les modèles antiques et renaissants, sans pour autant en être un imitateur orthodoxe. Aucune de ces statues de petit ou de grand format ne suit fidèlement le canon vitruvien des proportions humaines, même après que le traité de l'architecte romain commence à être diffusé dans les Pays-Bas. Comme Hossart, Meitz privilégie plutôt les modèles durériens, à l'image de sa Judith avec la tête d'Holoferne qui rappelle directement l'Adam et Ève de Dürer sans en être un décalque. La blancheur de l'albâtre pourrait laisser supposer un hommage rendu aux marbres antiques, l'accent mis sur les effets de chair, la polychromie utilisée pour les cheveux, les yeux, la bouche et l'épée, montrent bien, pourtant, que pour ce sculpteur, l'enjeu est de produire une figure qui n'a pas la froideur idéale des statues antiques, et qui est un corps de chair, de sang, parfaitement beau, mais aussi désirable. Dans la droite ligne du Neptune et Amphitrite de Rossart. L'Antique ne rend donc pas, pour les artistes qui viennent d'être évoqués, à une manière archaïque ou passéiste, et ne se réduit même pas aux références à l'architecture ou à la statuaire gréco-romaine. Il s'agit, bien au contraire, de promouvoir à travers cette notion une modernité artistique, sachant tirer le meilleur parti de ces modèles anciens, comme des peintres italiens. Qui, dès le début du XVe siècle ont été directement impliqués dans la Renaissance européenne des arts. Parmi eux, on l'a dit, Léonard de Vinci a joué un rôle pionnier en étant l'un des premiers maîtres italiens à être régulièrement imité par ses confrères néerlandais. Cet intérêt se poursuit et s'intensifie même durant le premier tiers du XVIe siècle en se concentrant d'abord sur les aspects techniques et formels. Dans le sillage d'Ambrosius Benson, dont j'ai déjà souligné l'importance aux côtés de Gérard David, un nombre croissant de peintres néerlandais, particulièrement en soi, adoptent le sfumato, cette technique consistant à effacer ou à diluer ou à estomper le passage d'une couleur à une autre, notamment dans le cadre du contour, mais aussi le clair-obscur qui sont chers à Léonard de Vinci. Tout en demeurant fidèle aux physionomies et aux proportions des figures de Hans Memling, dont il se réclame directement, Jan Provost adopte dans son traitement des chairs, son modelé très progressif et le dynamisme de ses figures, des solutions formelles plus proches de celles que promeuvent alors Jan Rossart ou Quentin Métis, qu'il a personnellement fréquenté à Anvers, mais aussi des modèles léonardesques. Au-delà des têtes d'expression dont nous avons souligné l'importance pour les premières œuvres de Quentin Metsys, la manière moderne de Léonard de Vinci, et de ses imitateurs s'imposent surtout dans deux types iconographiques. Le premier est celui des Vierges à l'enfant. Après Hérard David, de nombreux peintres néerlandais explorent en effet ce sujet auquel le peintre italien avait donné une tendresse et une grâce toute particulières qui feront leur réputation en Italie comme dans le reste de l'Europe. Peinte vers 1525, la Vierge aux cerises de Jos van Cleve est ainsi directement inspirée d'une invention léonardienne que le peintre anversois connaissait probablement par une variante due à Jean Pietrino, que je vous montre à droite, l'un des meilleurs élèves du maître lombard. Si le peintre euh, tente clairement d'imiter le sfumato et le clair-obscur chez à Léonard, il intègre aussi d'autres éléments spécifiquement liés à la culture visuelle des artistes anversois, comme l'attitude et les vêtements donnés à la Vierge à l'enfant ou le paysage de l'arrière-plan qui évoque les premières œuvres de Joachim Paténil. Chez Quentin Metzis, ou Yann Rossart, l'accent est plutôt mis sur le naturel de la scène. Chez le premier, montre ici une image à gauche, le baiser de la Vierge et du Christ exprime l'intimité qui lie la mère et son fils, tout en annonçant par les deux cerises délicatement tenues par Marie les baisers que cette dernière portera sur le corps de son fils mort au pied de la croix. La même intimité est exprimée chez le second, à droite ici, par la joie embarrassée avec laquelle l'enfant Jésus s'enroule dans le voile blanc de sa mère qui préfigure le stuaire dans lequel son cadavre sera enveloppé, mais dans la complicité visuelle et émotionnelle établie entre le tableau et son spectateur, littéralement prise à partie par le regard de la Vierge du Christ, mais aussi interpellée par le rebord en bois du premier plan d'où semble tomber vers lui un pan de ce voile blanc. Chez Cornelis de Baselard, en revanche, le traitement est beaucoup plus proche de la manière de Léonard ou de John Préterino. Dans Sa Vierge à l'enfant avec un perroquet, le contraste des masses claires et sombres permet de renforcer l'unité chromatique de l'image, dont les teintes sont beaucoup plus éclatantes que chez ses confrères, tandis que le modelé dégradé des figures permet de donner le sentiment d'un plus grand relief. Si les Vierges à l'enfant léonardesques sont alors particulièrement appréciées dans le nord de l'Europe, une autre œuvre suscite un véritable engouement de la part des peintres néerlandais. Il s'agit de la scène que Léonard de Vinci achève en 1498. Sur l'un des murs du réfectoire du couvent milanais de Santa Maria delle Grazie, et dont l'invention se diffuse rapidement dans les Pays-Bas grâce aux graveurs et aux peintres italiens, ainsi qu'aux maîtres lissiers flamands. Peu de temps après l'achèvement de la fresque, Giovanni Pietro Birago en tire une estampe qui connaîtra un grand succès européen. Une quinzaine d'années plus tard, François d'Angoulême, futur François Ier, et sa mère, Louise de Savoie, commandent une tapisserie reproduisant la Sainte-Seine de Léonard peut-être d'après un carton du Bramantino, en en confiant probablement la réalisation à un atelier bruxellois, avant de l'offrir au pape Clément VII en 1533. Sans être une copie fidèle de la fresque lombarde, cette tapisserie est l'une des premières œuvres néerlandaises connues à en être directement inspirée. Mais elle précède de près de 20 ans la copie fidèle de la fresque, enseignement attribué à Andrea Solario, sans doute peinte par un suiveur italien du maître lombard et achetée par l'abbé Arnaut Straintus. Le 3 février 1545 pour l'abbaye prémontée de Tongerlo. En quelques années, l'invention léonardesque pénètre ainsi la culture visuelle néerlandaise pour ne plus la quitter jusqu'au XVIIe siècle. Dès le milieu des années 1520, Jan Willens, un peintre actif à Louvain entre 1520 et 1548, en propose l'une des premières réinterprétations. Ce tableau est surtout fidèle à la copie de Birago. Par sa composition d'ensemble, sa structure perspective, dont j'ai reconstitué ici le point de fuite, et sa citation du chien rongeant l'os sous la table, qui est absent de la fresque milanaise, mais représenté dans les stands de Birago. Du point de vue formel et technique, il est en revanche plus proche des options de Dirk Bautz, notamment dans des types physionomiques et des figures un peu anguleuses, où l'attention accordée à la représentation taille des objets, que le peintre modernise toutefois en mêlant. À l'architecture gothique, quelques motifs d'arabesque et de grotesques. l'on voit notamment dans la partie dans l'arrière-plan. ici. Quelques années plus tard, quelques années après, Jan Willems, Jos van Cleve et Peter van réagissent à leur tour et de façon plus synthétique à l'invention de Léonard, tout comme aux autres maîtres néerlandais et italiens. Dans le retable de la déploration du Christ, peint par le premier, donc Jos van Cleve, entre 1525 et 1527, pour la chapelle Sainte-Anne de l'église génoise des frères mineurs, Santa Maria della Pace, la d'elle, vous le voyez, propose une variante habile de la Sainte-Seine en s'inspirant également des têtes d'expression de Léonard pour la figure de Judas. Quant à la Sainte-Seine peinte par le second, Peter Cook von Alst, vers 1531, elle est probablement la dérivation la plus célèbre et la plus diffusée dans les anciens, anciens Pays-Bas. Son succès étant tel que pendant une dizaine d'années, l'atelier de Kukhorn-Hals en réalisera de nombreuses répliques ou variantes, plus d'une quarantaine sont répertoriées, et euh, qu'un demi-siècle plus tard, Hendrik Horsius en tirera encore une estampe. Durant le premier tiers du XVIe siècle, un nouveau nom vient s'ajouter à ceux de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci dans le Panthéon italien des artistes néerlandais. Il s'agit de celui de Raphaël d'Urbain. Au milieu des années 1510, ces œuvres avaient déjà largement circulé dans les Pays-Bas à travers les estampes de Marc-Antonio Raymondi. Un nouveau cap est toutefois franchi quand, en 1515, le pape Léon X commande aux peintres romains des cartons pour une tenture consacrée à la vie de Saint-Pierre et Saint-Paul destinée à la chapelle Sixtine. Achevés en 1516, ces cartons sont ensuite envoyés à Bruxelles afin d'y être tissés dans l'atelier du maître lissier Peter von Edigen von Alst. La tenture est présentée dans la chapelle Sixtine le 26 décembre 1519, mais nous savons que les cartons demeurent dans l'atelier de von Alst avant de servir à nouveau de modèle pour de nouvelles tentures, tissées si par François Ier, pour François Ier, par Dylan der Dermoyen, Daniel et Anton Bern puis pour le roi d'Angleterre Henri VIII. Et ils seront finalement acquis. En 1623, par la Manufacture Royale de Tapisserie de Mortlake, en Angleterre. L'arrivée des cartons de Raphaël aux Pays-Bas constitue un véritable choc pour un certain nombre d'artistes, à commencer par les peintres et les maîtres lissiers. Dans ses œuvres, Raphaël promeut une manière bien différente de celle qui est alors en vigueur dans la tapisserie néerlandaise. La composition n'y est plus construite à travers une prolifération de figures et de motifs, mais sur le modèle de la peinture de chevalet par une construction perspective rigoureuse qui articule les scènes et les figures les unes aux autres et qui par un jeu de vide et de plein subordonne l'usage des ornements au nécessaire et au convenable. De même, les bordures ne sont plus de simples extensions ornementales des scènes décrites, mais offrent souvent des commentaires typologiques ou allégoriques renvoyant au contenu de chaque sujet et au commanditaire. Les ateliers bruxellois de tapisserie qui continuent d'être mobilisés pendant plusieurs années, par les papes et les princes européens et par les grandes familles européennes, apprennent ainsi, par nécessité, à assimiler ces solutions formelles, tout comme les peintres qui travaillent pour eux en leur livrant régulièrement des cartons. Parmi eux, l'un des premiers à réagir à ces nouveaux modèles est Bernard von Orley, dont les collaborations entamées avec les maîtres-lysiers au milieu des années 1510 lui permettent de faire sensiblement évoluer sa manière. À l'image de son retable de la vertu de patience, qu'on appelle aussi retable de Job et Lazare, peint pour les appartements de Marguerite d'Autriche, dans le château de son conseiller, Antoine de Lalin, premier comte de Hochstraten, ses œuvres n'abandonnent pas les acquis, naturellement, des maîtres du XVe siècle, notamment par le drapé ample et nerveux des costumes, aux formes fantaisistes et aux couleurs bigarrées. Von Orley fait toutefois le choix d'une manière plus moderne, qui regarde du côté du vocabulaire décoratif de Jan Rossart, et des paysages vastes et détaillés de patinilles, mais aussi de l'espace plus aéré, plus construit, plus organique des cartons de Raphaël, à travers une organisation hiérarchique et dynamique des différentes figures, dont les proportions se rapprochent de celles que privilégie le peintre romain et dont les actions et les passions sont exprimées par de grandes diagonales et des raccourcis audacieux. À ces éléments, le peintre ajoute par ailleurs des références directes, voire des citations les œuvres italiennes qu'il a eu l'occasion d'étudier directement. Ainsi, dans le retable de la vertu de patience, les figures contournées de Lazare et euh, du euh, mauvais riche dans le registre inférieur euh, sont toutes deux euh, des ré réinterprétations libres de la figure principale de la mort d'Anani, faisant partie des cartons des Actes des Apôtres que von Orley a pu contempler dans l'atelier bruxellois de Peter von Edingen von Arst. Si les cartons de Raphaël ont eu une importance considérable pour les artistes à Bruxelles, puis à Bruges et Anvers, leur diffusion est également rapide dans le nord des Pays-Bas, où ils ont aimanté une grande partie des peintres de la nouvelle génération. Parmi eux, Jan van Skorel et Martin van Heemskerk ont joué un rôle véritablement pionnier. Selon Karel van Mander, le premier, Jan van Skorel, le fils illégitime d'un prêtre, aurait d'abord fréquenté l'école latine d'Alkmaar. Avant de fréquenter ensuite les ateliers de Cornelis Willems à Haarlem, de Jacob Cornelis von Oost-Stanen à Amsterdam et peut-être à Utrecht de Jan rossart Sa carrière ne commence toutefois véritablement qu'après le long voyage qu'il effectue entre 1513 et 1524, qui lui offre notamment l'occasion, sur le chemin et au retour de la Terre Sainte, d'étudier auprès d'Albrecht Dürer, de travailler à Venise d'étudier les collections du Belvedere à Rome dont son compatriote le peintre le pape Adrien VI le nomme conservateur et d'avoir ainsi accès un accès facilité aux œuvres de Raphaël et de Michel-Ange dans les appartements Papaux et dans la chapelle Sixtine du Vatican. À Utrecht où il exerce un temps les fonctions de prêtre avant de démêler avec clergé local puis à Haarlem Van Skorel fait partie des premiers peintres néerlandais à introduire ce que Van Mander appellera je cite, la manière nouvelle et extraordinairement belle des œuvres issues d'Italie. Non seulement en généralisant l'exécution à la prima de ces œuvres, c'est-à-dire en peignant directement sur la toile sans nécessairement de dessin préparatoire, mais aussi en se référant fréquemment aux modèles de Raphaël et de Michel-Ange. La présentation du Christ au temple a été peinte par Skorel peu après son retour à Utrecht, euh, et peu, euh, peu après donc, avoir quitté à Harlem. Son atelier a accueilli un, ou formé plusieurs artistes ayant ensuite fait carrière dans le Nord des Pays-Bas. Et on retrouve dans cette œuvre une organisation des figures, une articulation des figures et du fond qui rappelle les grandes fresques de Raphaël au Vatican, je pense notamment à l'école d'Athènes. Avec le maître du Bon Samaritain et Cornelis Beuys le second, mais aussi Anthony Smock ou Lambert Sustris, dont nous reparlerons, le plus brillant des collaborateurs de Von Skorrel, qui ont donc. Fréquenter son atelier et probablement Martin von Heemskirk. D'abord formé par Cornelis Willems et Jacques Lucas, ce dernier, donc von Heemskirk, devient en effet l'un des principaux assistants de van Skorel peu de temps après l'arrivée du maître à Harlem en 1527. Même si les solutions plastiques que préconise van Heemskirk et les modèles qu'il privilégie au début de sa carrière sont effectivement proches de ceux de von Skorel, Van montre toutefois et rapidement une certaine indépendance artistique qui se manifeste notamment par un moindre intérêt pour les paysages ou l'unité chromatique et compensée par une attention particulière au traitement des figures dont les contours internes et externes lui permettent de se détacher plus nettement du fond et de créer le sentiment d'une tridimensionnalité expressive plus proche, euh, enfin, proche de celle de Raphaël mais aussi des, des, des statues de Michel-Ange. La Vierge à l'enfant de son repos pendant la fuite en Égypte s'appuie d'ailleurs sur une relecture singulière de la célèbre Madone de Bruges à laquelle Van Heemskerk emprunte le visage, les mains et la robe de la Vierge ainsi que la position dynamique des jambes du Christ. En suggérant au sculpteur Utrertua de se fonder totalement sur l'antique mais d'éviter aussi tout ce qui pourrait paraître ancien, le contrat que nous avons évoqué au début de ce cours dessinait les contours d'un art qui, pour acquérir les qualités de l'antique, doit prendre la liberté de se détacher d'une stricte et servile imitation antiquisante, en adaptant les formes tirées de l'étude des maîtres anciens aux horizons d'attente spécifiques aux Pays-Bas du début du XVIe siècle. Il existe donc guerre de lien entre cette distinction souvent faite aux Pays-Bas de l'antique et du moderne, et celle qui, au XVIIe siècle, prévaudra. Entre les anciens et les modernes. Ce qui explique que l'opposition entre l'art gothique et renaissant, si fréquente chez les historiens de l'art du XIXe et du début du XXe siècle, n'a plus guère de sens, tout du moins pour ce qui concerne les Pays-Bas, en particulier dans le domaine de l'architecture et de la sculpture. Il est en revanche certain, on l'a vu, qu'aux yeux des prêtres néerlandais, il existe bien, en droit tout du moins, une différence à marquer entre deux formes de modernité. Une modernité en forme de rupture, marqué par le souhait de régénérer l'art néerlandais à travers l'introduction de motifs et de procédés issus de la Renaissance italienne, ce que j'ai appelé l'antique, et une modernité en forme de continuité qui, au début du XVIe siècle, cherche à donner un nouveau souffle à l'héritage d'un art néerlandais qui, depuis plus de 100 ans, parvenait à repenser profondément ses cadres iconographiques et formels. Pour un nombre toujours important d'artistes néerlandais actifs durant le premier tiers du XVIe siècle, la référence aux maîtres néerlandais anciens demeure en effet le passage obligé pour tout artiste qui se respecte, même lorsque cette référence accepte ici ou là quelques concessions au mode plus récent. Beaucoup d'artistes, parmi eux, se présentent toujours comme les héritiers de Rory van der Weyden, dont le prestige des œuvres demeure alors très important, en particulier à Bruxelles. On peut citer parmi eux l'atelier d'un peintre et dessinateur bruxellois, connu sous le nom de convention de pseudo-Hortkens, qui continue de faire vivre les modèles van der Weydien dans l'art de la tapisserie ou du vitrail, ou encore les œuvres de Noël Belmar, qui regarde du côté d'Urho van der Roos. Le même phénomène peut être observé dans le nord des Pays-Bas, notamment à Haarlem, où les œuvres de Herton Tottint-Jans n'ont guère perdu de leur popularité. Un peintre comme Jan Mostart n'ignore évidemment rien des compositions les plus célèbres des grands maîtres du sud des Pays-Bas, comme le montre son grand triptyque de la Passion, qu'il peint à la demande du riche magistrat harlémois Albrecht Adrian von Adrichem pour l'autel d'une chapelle latérale de l'église Saint-Bavon. Le voile tenu par sainte Véronique, que le retable est fermé, est fondé sur le modèle perdu de la sainte face de Von Eyck, tandis que la composition du panneau central que je vous montre ici est une dérivation évidente de la descente de croix de Van der Weyden. Toutefois, l'ensemble est pour ainsi dire remis en forme par des solutions plastiques directement empruntées à Hertens Totiens, particulièrement visible dans les figures aux proportions plus élancées, au visage ovale, idéalisé pour les femmes et plus individualisé pour les hommes, et dont les attitudes expressives créent l'impression d'une sorte de gesticulation un peu raide. Pour ces peintres. L'enjeu n'est plus de capitaliser sur le succès des maîtres néerlandais et de s'appuyer sur eux pour continuer de renouveler l'art des Pays-Bas, en procédant si besoin à des synthèses plus ou moins audacieuses. En Hollande, le maître de Delft, Jacob Cornelis von stanen mêle avec talent, à la, à la manière des artistes locaux, certaines innovations de leurs confrères méridionaux, elles-mêmes nourries de nombreux modèles italiens et germaniques. Nombreux sont par ailleurs les peintres néerlandais du premier tiers du XVIe siècle à continuer de puiser sans arrêt dans le répertoire de formes et d'idées des estampes d'Albrecht Dürer, qu'ils utilisent comme s'il s'agissait d'un véritable bréviaire technique et artistique. Le plus connu d'entre eux, Lucas de Leyde, n'a pas seulement été le premier graveur néerlandais à acquérir une réputation internationale de son vivant en raison de sa grande productivité, près de 200 estampes, mais aussi de la rivalité amicale qu'il a liée. À son confrère germanique. En 1521, à l'occasion d'une visite rendue par Lucas de Laide à Dürer, à Anvers, ce dernier réalise le portrait du graveur hollandais. Nous savons que les deux artistes ont échangé plusieurs de leurs œuvres. Techniquement, Lucas de Laide poursuit les recherches de Dürer qui vont dans le sens d'une restitution des effets de la peinture dans le champ de la gravure par la variation, la variation des hachures et des pointillés ou le contraste entre les parties claires et sombres plus que durer toutefois lucas lucas de laide cherche à explorer des sujets rares ou inédits notamment tirés de la vie quotidienne j'y reviendrai un peu plus tard les estampes de durer ont également fasciné les artistes néerlandais par leur maîtrise des règles complexes de la perspective qui servent parfaitement le propos des scènes représentées sans doute est-ce envers que les expériences dureriennes en matière de perspective, intéresse le plus de peintres, comme le maître de l'adoration de l'île ou Jan Mertens. Cette adoration du berger, Dieu au premier, le maître de l'action de Lille, doit beaucoup à la nativité, gravée par Durer en 1504, dont elle retient de nombreux éléments, dont le complexe montage architectural, mêlant structure de bois et ruines de pierre, et ouvrant sur une petite scène paysagère. Pour ces graveurs et ces peintres, il apparaît indispensable. De se réclamer des modèles les plus légitimes et les plus prestigieux. Mais il convient aussi d'affirmer ou de confirmer les particularismes techniques ou formels perçus comme ceux qui caractérisent l'art de leur pays et qu'il s'agit de perpétuer ou de renouveler. Parmi eux, l'enluminure figure en bonne place, étant considérée depuis plus d'un siècle comme une véritable spécialité néerlandaise, même si naturellement de nombreux miniaturistes importants travaillent aussi dans d'autres pays européens. Dans le premier tiers du XVIe siècle, cet art de l'enluminure continue de faire floresse dans les Pays-Bas, étant notamment porté par plusieurs peintres importants. Parmi eux, Gerhard Ohrenbaut, aujourd'hui identifié au maître de Jacques IV d'Écosse, est sans doute le mieux présent dans les archives. Cet ancien élève de Liévin de Stouvera a été un peintre particulièrement polyvalent, réalisant aussi bien des miniatures que des retables, des portraits ainsi que des cartons de tapisserie et de vitraux. Il collabore même avec les nonnes du couvent de Galilée, près de Gand, en concevant un modèle de jardin composé de fleurs en tissu qui a été offert à Marguerite d'Autriche. Pour satisfaire les nombreuses commandes qui lui sont soumises, il peut faire appel aux talents de trois de ses six enfants, Susanna, Lucas et un second fils, mais aussi à des collaborateurs réguliers en dehors de son atelier comme les Bennings. En 1515, Bautz, Devient peintre de cour et valet de chambre auprès de la, de la régente, tout en ayant le droit de pouvoir continuer à travailler à Gand, où il participe aux seuls décors qui peuvent lui être attribués avec certitude, dans le livre d'heures de Bona Sforza, où il se montre un habile imitateur des formules ganto-brugeoises, qu'il modernise en faisant régulièrement référence au modèle de Dürer. Sa célébrité est alors telle qu'il est visité en 1521 par Albrecht Dürer, qui s'étonne des talents de sa fille, Susanna alors âgé de 18 ans, et il écrit dans son journal ⁇ Il est vraiment remarquable qu'une femme puisse faire pareille chose ⁇ Sans commentaire. Les difficultés financières rencontrées par la cour de Malines, ajoutées à la confession luthérienne de la famille Orenbaut, expliquent probablement la décision de, de, du père de famille, Gerard Orenbaut, de quitter les Pays-Bas pour l'Angleterre, où il s'installe avec sa femme et ses enfants entre 1522 et 1525. Et c'est à Londres que la carrière de son fils, Lucas, débute véritablement en peignant les portraits en miniature des membres de la cour d'Henri VIII. D'autres miniaturistes néerlandais font également carrière à Londres durant le premier tiers du XVIe siècle, même si aucune de leurs œuvres n'a pour l'instant fait l'objet d'attributions convaincantes, malgré les efforts déployés par les historiens de l'art. Ce constat est également vrai des portraits de Susanna Orenbaut et de Levina Thierlenck, filles respectives de Gerhard Orenbaut et de Simon Benning dont le talent est alors publiquement reconnu en Angleterre et dont aucune production n'a pu être encore attribuée aujourd'hui avec certitude. Si les talents des peintres néerlandais sont à ce point appréciés à la cour d'Henri VIII, c'est d'abord pour l'exceptionnelle technique aussi ils savent faire preuve dans leurs œuvres, acquises et pratiquées dans le champ de l'aluminium ganto-brugeoise, et caractérisée par un art achevé de la miniaturisation, notamment dans le traitement des chairs, qu'ils contribuent à faire connaître en Angleterre jusqu'à ce que cette technique soit présentée. Par Edward Norgate dans son Miniatura of the Art of Lightning, la miniature ou l'art d'enluminer écrit vers 1627, comme une manière, je cite, spécifiquement anglaise par opposition à la technique clavée des Italiens. On voit un phénomène ici d'acculturation, une technique d'abord pratiquée par les Néerlandais en Angleterre avant que cette technique ne soit en quelque sorte anglicisée ou vernacularisée dans la technique des artistes britanniques. Cette technique n'est d'ailleurs pas seulement appréciée en Angleterre, mais dans le reste de l'Europe et dans d'autres arts que la peinture de petit format. En France, il convient de rappeler que le succès des petits portraits peints par Corneille de La Hay, dit Corneille de Lyon, est en grande partie dû à la qualité de leurs touches, parvenant à trouver un parfait équilibre entre le détaillisme minutieux, idéal pour atteindre une parfaite ressemblance, et la vivacité du pinceau, notamment visible dans les ombres contrastées. Ce rapport particulier au monde, marqué par le souci de rendre compte directement ou indirectement des différents aspects de la vie ordinaire et de se détacher d'une imitation trop idéalisée ou abstraite, constitue la troisième et dernière caractéristique de l'art néerlandais tel qu'il continue à être cultivé par les maîtres qui, soucieux, euh, qui sont soucieux durant le premier tiers du XVIe siècle de revendiquer l'héritage de leurs aînés et qui se manifeste aussi bien dans le nord que dans le sud des Pays-Bas. Dans son Saint Luc Peignant la Vierge, Martin von Heimskirk propose un véritable tableau manifeste qu'il achève peu de temps avant de partir pour l'Italie, le 23 mai 1532, et qu'il offre à ses collègues de la guilde de Saint-Luc et Saint-Éloi à Harlem, afin de servir de maître-autel dans l'église de Saint-Bavon. Si l'on en croit Karel van Mander, la figure debout près du saint, sans doute la figure d'un poète dont la tête est couronnée de lierre, pourrait être l'autoportrait de l'artiste sur le modèle de la poésie von heemskerk aurait ainsi voulu montrer que la peinture est un art intellectuel qui requiert je cite von mander un esprit poétique et inventif mais sans nier vous le voyez la dimension artisanale et mimétique de son métier saint luc est ainsi représenté comme un peintre au travail portant un pince-nez pour mieux voir son modèle et le représenter comme le tableau de von heemskerk en donne lui-même l'exemple dans ses moindres détails jusqu'à la minuscule araignée qui file sa toile entre le clou et le bord gauche du tableau. On ne voit pas très bien cette image, mais je vous invite à regarder sur Internet ou à aller au franz Museum lorsque vous aurez le, la possibilité de le faire. Peut-être formé à Haarlem, dans l'atelier de Cornelis Willems, ou à Amsterdam, auprès de Jacob Cornelis von Oostanen, avant de devenir éventuellement l'assistant de Jan Rossart à Utrecht vers 1517, puis de Bernard von Orley à Bruxelles avant 1525. Jan Cornelis Vermeijen est actif pour sa part dans le sud des Pays-Bas, à la cour malinoise de Marguerite d'Autriche, ce qui ne l'empêche pas de partager les mêmes vues que ses confrères hollandais. Dans « Les noces de Cana », qu'il peint au début de sa carrière, son usage de la lumière artificielle, euh, principalement et probablement inspiré des expérimentations de Gertrude Totsitz-Jans à Harlem, lui permet de conférer à l'image un relief d'une grande efficacité D'autant que l'individualisation des corps et d'une partie des costumes et l'ouverture de la composition vers le spectateur renforcent le sentiment de vérité de ce repas partagé par le Christ auquel nous avons l'impression de participer par le regard. Ce traitement volontairement concret de l'histoire religieuse conduit un certain nombre de peintres néerlandais à explorer également les ressources narratives des scènes de la vie quotidienne à proprement parler. Dans ce domaine, on l'a dit, Lucas de Lède a joué un rôle pionnier. Comme graveur et comme peintre. Si la famille de mendiant dite de Til Spirou, en référence à Til Lespiègle, un personnage de littérature populaire nord-européenne, est peut-être son estampe la plus connue, elle ne doit euh, pas son succès à son iconographie, finalement assez banale hein, chez les graveurs du Saint Empire, euh, mais au traitement original que Lucas de Laide en propose. Faut-il retenir l'idée souvent avancée? Par les historiens de l'art d'une représentation comique et même moqueuse de cette famille, dont l'un des enfants est habillé comme un moine et dont le père porte sur son chapeau euh, les attributs caractéristiques des pèlerins se dirigeant vers euh, Saint-Jacques de Compostelle, c'est possible, c'est même probable, particulièrement dans le contexte social et religieux qui prévaut alors à Leiden, l'un des premiers et des principaux foyers de la réforme hollandaise. Mais il n'est pas certain que cette dimension comique est moralisatrice. Permettent d'expliquer principalement le succès de cette estampe, dont la principale singularité est, pour ainsi dire, de prendre au sérieux la représentation de cette famille, en rendant compte de la manière la plus directe possible de sa pauvreté. La mère marchant pieds nus, le chien reniflant un caillou en pensant qu'il s'agit de la nourriture, sa basse extraction, avec cette cornuce jouée par le père, le tout grâce à une technique de hachure parfaitement maîtrisée. Les tableaux de Lucas de Lède, comme ses joueurs de cartes, montrent la même attention aux aspects les plus prosaïques de la vie quotidienne. Les représentations de joueurs de cartes ne manquent pas dans l'ordre européen, évidemment, et ce passe-temps est fort apprécié, même s'il est moralement condamnable, en raison du hasard auquel il fait jouer un rôle central. Des possibilités de tricherie et du mensonge qu'il encourage, des pertes d'argent qu'il entraîne souvent, et des associations souvent faites avec les récits néo-testamentaires qui évoquent le partage des vêtements du Christ euh, tirés au dé. Par les soldats romains. Cette dimension morale est ainsi souvent présente dans les œuvres mettant en scène des joueurs de cartes, quand, quand il ne s'agit pas d'en faire des allégories érotiques, où l'envie de remporter la mise se mêle au désir de conquérir les cœurs. Dans son tableau, toutefois, le cas de Leyde semble moins intéressé par ses arrière-plans moraux que par la possibilité offerte par ce sujet de dresser un véritable portrait social, euh, marqué par la diversité des âges, des genres des vêtements et des attitudes. Comme Vermeyen, le peintre ménage entre les deux figures repoussoires du premier plan un vide qui nous permet d'y insérer notre regard et d'avoir le sentiment que nous sommes aussi de la partie. Nous y sommes d'ailleurs invités par le couple représenté au deuxième plan, un homme élégamment vêtu, se détachant de la coiffe blanche de son épouse, par les manches sombres de son costume, qui indique du doigt les pièces posées au centre de la table. Tandis que les yeux de la jeune femme sont directement posés sur nous. Euh, le troisième plan est occupé par un couple plus jeune, discutant du choix d'une carte et par un homme plus âgé, dont les principales teintes du costume font écho avec celles qui sont utilisées pour les figures représentées à droite. Quant au quatrième plan, on se tient à un couple échangeant un regard, il permet de clore la composition grâce au mur ouvert par la fenêtre. Dans les estampes et les tableaux qui viennent être évoqués, un changement assez radical s'est opéré par rapport aux œuvres produites dans les Pays-Bas un siècle plus tôt. Pour Robert Campin, Jan Eyck ou Rory van der Weyden, la représentation des choses est constamment contaminée par le sens qu'elles peuvent ou doivent véhiculer, même si, on l'a dit, les notions de symbolisme déguisé ou de réalisme apparent posent problème. Cette volonté de faire parler la nature ne disparaît naturellement pas au XVIe ou même au XVIIe siècle, où perdure l'idée d'une nature habitée par Dieu, lequel parle si souvent à travers elle qu'il peut lui être parfaitement identifié, comme le résume René Descartes ou Baruch Spinoza en parlant de Dieu ou la nature, Deus si natura. Il semble toutefois qu'au début du XVIe siècle, les artistes néerlandais aient progressivement changé le regard qu'ils portaient jusqu'à présent sur la nature. Non seulement on l'a vu en lui accordant une place de plus, grand, plus en plus grande dans leurs œuvres religieuses, mais aussi en créant, en réélaborant ré autour de son imitation des genres artistiques spécifiques. Parmi eux, le portrait continue d'occuper une place essentielle. Un bon portrait, en effet, ne peut susciter l'émerveillement de ses spectateurs que si sa beauté n'ôte rien à sa ressemblance, et même s'il peut, selon la formule utilisée par Battista Alberti pour la peinture tout entière, je cite, rendre présents les absents et faire surgir après de longs siècles. Les morts aux yeux des vivants. Je cite encore Alberti. Le premier effet, euh, je cite Louis Marin, pardon, le premier effet de la représentation générale est de faire comme si l'autre, l'absent, était ici et maintenant le même, non pas présence mais effet de présence. Cet effet de présence, évoqué par Louis Marin en référence d'ailleurs à la formule barthésienne de l'effet de réel, n'est pas la seule conséquence d'une représentation précise et méticuleuse des traits des costumes ou des matières que l'on retrouve dans le portrait néerlandais dès la fin du XIVe siècle. Il s'agit de donner au spectateur le sentiment qu'il partage un espace, mais aussi une temporalité avec les modèles peints, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler une narrativisation du portrait, qui durant le premier tiers du XVIe siècle devient un enjeu central pour un grand nombre de peintres actifs dans le sud comme le nord des Pays-Bas. Cette dynamisation, toutefois, ne s'impose que progressivement. Dans les portraits qu'il peint dans les années 1530, Jos van Cleve explore ainsi de nouveaux moyens de conférer de la vie et de l'animation à ses modèles. Dans son portrait de François Ier, qu'il peint possiblement en pendant de celui d'Henri VIII, Jos van Cleve n'insiste pas tant sur la ressemblance du visage, si stéréotypé que l'on se demande aujourd'hui si le roi de France a véritablement posé pour le peintre ou si ce dernier n'a pas réalisé son portrait aux Pays-Bas à partir d'un dessin qui lui a été envoyé, que sur la grâce générale de son attitude. Si le visage présente une relative inexpressivité, le cadrage resserré autour du buste, coupé au niveau des épaules et des manches, crée l'impression d'une intimité, d'autant plus frappante que François Ier est représenté sans ses insignes royaux. Le pinceau est d'une précision remarquable dans le rendu des éléments du pourpoint noué ou du manteau de velours, orné de perles d'or et bordé d'un revers de zibeline, mais est beaucoup plus estompé dans le traitement des chairs, dans le sillage du sous peut-être pour plaire au roi de France dont le peintre ne pouvait ignorer le goût personnel pour les œuvres de Léonard de Vinci. L'animation gesticulante des deux mains, qui constitue un trait caractéristique de nombreux portraits du peintre anversois, permet par ailleurs de donner un mouvement général à la figure fondé sur la tension et la dynamique gestuelle, volontiers nerveuse, et qui sera imitée par de nombreux peintres néerlandais comme Jan Cornelis Vermeyen ou Jan Sanders von Emerson. Dans le portrait d'un couple jouant au trick-track, peint en 1532, ce dernier, donc Van Emerson, ne vide pas complètement sa composition des éléments symboliques qu'on eût évidemment attendus un siècle plus tôt. Les jeux de hasard, on l'a dit, sont mal vus dans les Pays-Bas, même s'ils sont un passe-temps fréquent des élites urbaines, ils font l'objet, je l'ai dit, de nombreuses représentations, mettant également en scène les rapports de séduction qui s'instaurent entre les joueuses et les joueurs. Il importe peu, néanmoins, de savoir si les fruits représentés dans l'assiette ou un sens symbolique, si les pommes font référence au péché originel, les cerises au paradis, les raisins à l'Eucharistie, les noix au Christ et le perroquet à la Vierge, ou si le coin figuré près de la main droite de l'homme et sur une partie duquel a été posé un beau couteau est un fruit, un fruit recommandé à la consommation des jeunes mariés, ou encore si ces mets sont plus simplement ceux dont le couple accompagne sa séance de jeu. En réalité, la première singularité de ce portrait, tient à la manière dont il met en scène le couple dans son intimité, au sein d'un espace unitaire, alors qu'auparavant la plupart des portraits de couples étaient peints sur deux panneaux distincts. Mais aussi dont cette intimité vaut pour elle-même, sans les artifices symboliques semblables à ceux utilisés dans les supposés époux Arnolfini pour lui donner un sens. Dans son double portrait d'Erasme de Peter Hillis, Quentin Métis aborde sous un angle différent, cette question du portrait dans la mesure où ces deux œuvres ne figurent pas un couple mais deux collaborateurs proches l'humaniste erasme de rotterdam et son secrétaire peter hillis et qu'elles ont été commandées par le premier pour être offertes à un ami commun sir thomas more afin qu'il conserve le souvenir de leurs visages et de leurs activités et que soit ainsi fictivement abolie la distance qui les a éloignés pour cela métis bouscule les conventions du portrait néerlandais en montrant ces deux modèles en action au travail dans leur bureau. Ils sont certes représentés sur deux panneaux différents, mais l'orientation de leur corps et les regards qu'ils semblent s'échanger donnent le sentiment qu'ils partagent le même espace, mais aussi qu'ils s'adressent à leur ami commun, absent de l'image et présent devant elle. À la façon d'un second saint Jérôme, dont il a d'ailleurs édité la correspondance et la Vulgate, et dont le nom apparaît sur l'un des trois livres sur l'étagère, sous une des deux traductions de Lucien de Sabozat, coécrite avec Mort, et un volume de l'éloge de la folie, Erasme écrit les premières lignes de sa paraphrase sur les épîtres de Paul aux Romains, qui est alors en train d'achever. Peter Hillis, pour sa part, une lettre reçue de mort à la main, euh, et euh, la main posée sur un volume euh, de la querelle, de la complainte de la paix d'Erasme la querella pacis, complète ainsi ce portrait croisé des trois amis. Avec Anne von Skorl, Dirk Jacobs a également euh, joué un rôle essentiel dans le développement de. Euh, ce que les historiens appellent depuis Alois Riegel euh, le genre du portrait de groupe. Nous avons déjà rencontré quelques précédents dans les tableaux religieux produits dans le sud des Pays-Bas. Mais l'autonomisation de, de, de ce genre du portrait de groupe se produit surtout en Hollande à la fin du premier tiers du XVIe siècle. En réalité, sans doute l'un des premiers artistes à se exceller dans ce domaine n'est pas Dirk Jacobs, mais Jan van Skorel, dans ce portrait des douze membres de la confrérie arlemoise des pèlerins de Jérusalem. Ce tableau est d'ailleurs considéré par Alois Riegel comme l'un des premiers portraits de groupe néerlandais autonome. Mais son originalité tient aussi à la manière dont le peintre a cherché à y mettre en scène le portrait de ces douze hommes à travers une procession à laquelle ils participent. Le sens de lecture se fait donc de droite à gauche. Cette narrativisation permet de renforcer l'individualisation des personnages dont les traits, mais aussi les attitudes, sont diversifiés. Certains regardent droit devant eux, d'autres se tournent vers leurs confrères, quand d'autres croisent le regard du spectateur. Elle offre ainsi l'avantage de créer un effet de présence à l'image de ces feuilles de papier qui, au premier plan, instaurent un espace ambivalent. Vous ne la voyez pas sur l'image que je vous ai montrée, mais euh, euh, croyez-moi euh, sur parole. Donc, ces feuilles de papier qui, au premier plan, instaurent un espace ambivalent entre la scène représentée et l'espace du spectateur pris à témoin. Pour le peintre également, il s'agit d'un véritable manifeste parce qu'il signale sa présence par le décollement d'une des feuilles de papier dans le point rouge de cire crée comme un point focal vers lequel notre regard se dirige. Il se désigne ainsi comme l'auteur du tableau, mais aussi comme un pèlerin particulier dont le voyage en terre sainte a été aussi une expérience artistique puisqu'il lui a permis de découvrir ce à quoi pouvait ressembler le pays du Christ. Peint un an après le tableau de Jan van Scorel avant d'être complété en 1559. Ce portrait des 31 membres d'une milice d'arquebusiers de Dirk Jacobs est pour sa part le premier portrait collectif de milice néerlandais que nous connaissons. Les activités amsterdamoises de ce peintre ne sont documentées que tardivement à partir de 1546. Sans doute cette lacune s'explique-t-elle par le fait que pendant longtemps ce peintre a travaillé comme assistant dans l'atelier de son père, Jacob Cornelis von Oostanen, où il s'est formé en même temps que Jan van Skoren. Principalement portraitiste, Dirk Jacobs, fait valoir une manière beaucoup plus soucieuse de l'imitation directe de la nature que celle de son père, plus attachée à l'étude des maîtres anciens et modernes, et euh, cette manière euh, mimétique euh, est parfaitement illustrée dans ce portrait collectif. Refusant l'isocéphalie stricte, c'est-à-dire l'alignement des têtes sur une même ligne, la distribution des figures s'y montre moins linéaire que chez Van Skoren. L'esprit de corps de la milice s'est traduit par l'unification des teintes sombres du fond et des vêtements sombres. Et pour éviter au portrait de n'être qu'une juxtaposition ennuyeuse de figures, celles-ci sont distinguées les unes des autres par les airs de tête, de trois quarts gauche ou droit, par les traits et les chevelures fortement individualisées, euh, avec des traits de visage allant de la simple neutralité à de légers sourires, et aussi par l'expressivité labile des mains, grâce auxquelles les personnages sont liés, une main sur l'épaule, et s'interpellent les uns, les uns les autres, ou traduisent leurs pensées en s'adressant au spectateur. Par ailleurs, ce tableau est aussi un portrait narratif. Les cruches et les verres, les coupes et les couteaux qui sont brandis par les personnages montrent en effet qu'il ne s'agit pas simplement d'un portrait de groupe, mais d'une scène de repas qui réunit ces hommes et que le spectateur semble avoir subrepticement interrompu. Cette idée est reprise d'ailleurs quatre ans plus tard par Cornelis Antonis, le cousin de Dirk Jacobs, dans son portrait des seize membres d'une liste d'étrier, qui accorde toutefois une plus grande attention au rendu de la profondeur, mais aussi à la représentation minutieuse de la vaisselle posée sur la table, ainsi qu'aux mets, l'oie et le héron, et aux boissons qui sont servies aux convives. L'accent est mis ici sur les liens de solidarité qui unissent les membres de la compagnie, qui portent tous le même costume bicolore, et dont le saint patron, Saint Georges, est représenté sur un vitrail dans le coin supérieur droit. L'un d'entre eux tient une partition dont les premiers mots retranscrits "J'ai en tête une fille" renvoie à une célèbre chanson polyphonique datant probablement de la fin du XVIe siècle, dans laquelle un amant se plaint de son sort et espère le réconfort de sa bien-aimée. À sa gauche, un homme tire une flûte d'un étui afin de l'accompagner. L'harmonie qui unit les membres de la milice est ainsi comparée à celle des voix et des instruments d'une chanson à plusieurs voix. Une seule figure sort du lot. Il s'agit de l'homme tenant trois verres sur un plateau euh, que plusieurs de ses camarades désignent du doigt et qui est probablement le capitaine de la milice. Tandis que les trois portraits de groupe que je viens d'évoquer euh, sont consacrés à des confréries ou des milices, le portrait de, de Peter Jaap, Jan Fops et de son épouse Matin's daughter von Bernstein et de leurs trois enfants, Jan, Peter, qui se trouve dans les bras de sa mère et Cornelia, présente la singularité de s'inscrire dans le cadre strictement familial, dont l'ancien élève de Jan van Skoren, euh, Martin van tente lui aussi de restituer la vie. Les enfants y occupent d'ailleurs une place singulière et centrale, jusqu'à pouvoir en être considérés, d'un point de vue strictement narratif, comme les protagonistes. Les regards et les rires qu'ils échangent, les relations physiques qu'ils entretiennent avec leurs parents et avec l'environnement le, immédiat, en font les moteurs d'une action non pas fondée sur l'évocation de la mort ou de la vanité des choses, comme on l'a parfois écrit au sujet de ce tableau, mais plus explicitement sur les plaisirs de la vie, d'autant plus important que celle-ci est fugace, à l'image des nuages qui, à l'arrière-plan, semblent éternellement balayés par le vent et permettent, par un contraste de masse, de mettre en relief et en valeur les cinq figures. Un autre motif important de cette composition est la table, autour de laquelle est rassemblée la famille, qui peut être presque considérée comme un personnage à part entière du tableau. Chaque objet fait l'objet d'un traitement extrêmement détaillé qui donne le sentiment d'être littéralement offert au regard ou au palais du spectateur. Et si cette table est à ce point ouverte vers le spectateur, qui a l'impression, encore une fois, de partager le repas avec les autres convives et d'être interpellé par le maître de maison, qui lève son verre comme on fait un toast, sans doute est-ce parce que le peintre, qui a eu l'occasion de connaître et de fréquenter quotidiennement cette famille avec laquelle il a vécu à Harlem, s'inclut lui-même euh, dans l'image. Si le portrait individuel et collectif joue toujours un rôle central dans les rapports que les artistes néerlandais entretiennent avec l'imitation de la nature durant le premier tiers du XVIe siècle, un autre genre néerlandais qui apparaît durant cette période lui permet d'explorer d'autres aspects de cette thématique. Il s'agit du paysage. Parler de la naissance du paysage au début du XVIe siècle peut paraître étonnant puisque nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises. De souligner l'importance que les maîtres néerlandais accordent ou ont accordé au paysage, et cela dès la seconde moitié du XIVe siècle. Ces paysages, toutefois, ne sont que des arrière-plans, agrémentant ou complétant des scènes religieuses, des portraits de scènes de la vie quotidienne, et non des sujets à part entière, traités de façon indépendante. Cette prise d'indépendance n'est d'ailleurs, au XVIe siècle, ni immédiate ni totale, car parmi les artistes néerlandais s'étant particulièrement intéressés au paysage au début du XVIe siècle, aucun n'en représente sans un rattachement direct ou indirect à une histoire il s'agit pour ces artistes de concevoir des paysages fondamentalement harmoniques en leur conférant une importance désormais essentielle dans la construction visuelle mais aussi dans l'expression narrative de l'histoire un peintre anversois joue un rôle particulièrement crucial dans l'affirmation du paysage comme genre indépendant il s'agit de joachim patenir un peintre originaire de dinant dans la principauté de liège qui, après un apprentissage possible dans l'atelier brugeois de Gerhard David, fait carrière à Anvers, où il est très vite considéré comme le meilleur spécialiste des paysages. Invité à son second mariage, Albrecht Dürer parle de lui comme de Maître Joachim, le bon peintre du paysage, de paysage, la et constate qu'il dirige alors un atelier comportant plusieurs assistants. La mort précoce de Patenir en 1524, à une quarantaine d'années, et le nombre limité des œuvres qui peuvent lui être attribuées aujourd'hui, une vingtaine, n'empêche pas ses œuvres de devenir de véritables modèles pour les peintres néerlandais, à commencer par Quentin Métis, le parrain d'un des fils de Patenir, et que le testament de ce dernier désigne en outre, avec deux autres artistes, comme tuteur de ses deux filles mineures, et qui a peint avec lui plusieurs tableaux, s'occupant des figures, tandis, comme c'est le cas dans cette tentation de Saint-Antoine, tandis que Patenir s'occupe naturellement du paysage. S'il n'est pas en effet le premier artiste néerlandais à avoir peint des paysages, et s'il n'a jamais peint de paysages purs, sans figure mythologique ou sainte, Patenir est le premier à s'être exclusivement spécialisé dans ce domaine. Plus qu'une innovation, l'art de Patenir marque ainsi un achèvement dans l'art néerlandais du paysage qu'il maîtrise suffisamment pour n'avoir plus besoin de figures que comme de simples ornements animant ses compositions. On voit donc que le phénomène se renverse, le paysage n'est plus le fond qui sert d'arrière-plan à des figures, ce sont les figures qui vont en quelque sorte orner ou décorer des paysages qui peuvent valoir presque pour eux-mêmes. Cet achèvement se traduit aussi... Par l'établissement d'une véritable formule, d'une redoutable efficacité visuelle. Les paysages de Patanir, en effet, répondent presque tous au même schéma. L'horizon élevé permet de dégager une vue se développant de façon continue du premier plan jusqu'à une grande distance, en alternant les motifs horizontaux, lacs, rivières, champs et routes, représentés d'en haut, et les motifs verticaux, rochers, montagnes, maisons, figurés comme de face. La composition chromatique est presque toujours rythmée de la même manière selon une technique directement inspirée des premiers maîtres néerlandais le premier plan est brun l'arrière-plan bleu clair et l'espace médian d'un vert bleuté pour effectuer la transition graduelle sur cette base il inclut quelques motifs blancs ou noirs afin d'accompagner la circulation du regard du spectateur en lui offrant des repères ou des pauses l'efficacité de cette formule fondée sur des solutions formelles plus anciennes explique qu'elle a été très tôt et très rapidement reprise à son compte par de nombreux artistes néerlandais de sa propre génération, comme Jos van Cleve, y compris quand ses maîtres demeurent tributaires des solutions formelles de leurs aînés, comme c'est le cas dans cette descente de croix. Point de vue de l'invention ou de la composition, le triptyque de la Vierge à l'Enfant avec Sainte Catherine et Sainte Barbe du maître du 500 s'inscrit, on le voit, dans euh, clairement la, le, le sillage. Des, euh, des œuvres du maître bourgeois à la légende de Sainte-Lucie, mais le paysage, ici, euh, se présente en revanche comme l'une des premières assimilations néerlandaises des modèles récents de patinage. Durant le premier tiers du XVIe siècle, les Pays-Bas voient ainsi émerger trois manières distinctes. La première, dite antique, s'oppose par réaction à la seconde, dite moderne. D'un côté, la manière antique encourage une réforme des théories et des pratiques artistiques, sur la base de l'imitation des modèles issus de l'Antiquité gréco-romaine, comme des maîtres ayant fait la promotion directe ou indirecte de cette imitation, dans le Saint-Empire comme en Italie. De l'autre, la manière moderne continue de capitaliser sur le succès et le prestige des grands maîtres néerlandais, dont un siècle plus tard, un certain nombre de peintres néerlandais se prénendront toujours les héritiers. Cette opposition entre antique et moderne est toutefois plus facile à établir en théorie qu'en pratique. L'importance d'un certain nombre d'agents doubles, comme Albrecht Dürer par exemple, dont les œuvres sont antiques par l'attention qu'elles portent aux modèles antiques de proportion et modernes par la perfection de leur structure perspective, montre que dans bien des cas, le choix d'une manière ou d'une autre est une affaire de goût, engage des habitudes ancrées en un lieu pour certains sujets ou dans des techniques définies et s'inscrit en outre dans des stratégies de valorisation identitaire. En effet, quelle que soit la nature des œuvres qu'ils produisent, la plupart des peintres des sculpteurs ou des graveurs néerlandais du début du XVIe siècle s'accordent sur le fait que ce que distingue leur art de celui du reste de l'Europe est l'attachement qu'ils accordent à l'imitation de plus en plus directe de la nature, qui s'est traduit, on l'a vu, dans l'autonomisation de genres artistiques comme le portrait ou le paysage. Cette position, relativement unanime, est toutefois progressivement remise en question durant le deuxième tiers du XVIe siècle, comme nous le verrons au chapitre 6 de notre cours. Merci de votre attention.